这是一条让我能触摸祖先的路。या ठिकाणी नोकरी धंदा व व्यवसाय या संधी 12 महिने उपलब्ध असतात. Bu gaz kumuru bizge kırı sekeri bırak. I am working in Bitfarm and as well as for my hometown. I believe very soon I will see the train traveling and I use it in farming. Brand new Asia. Détail, il loue. Avec la croissance rapide de l'économie, les pays en développement désirent améliorer leurs faibles infrastructures industrielles, leurs réseaux de transport et leur bien-être social. L'accueil des industries transférées des pays développés et émergents les aidera à changer leur modèle économique basé principalement sur l'exportation de ressources. Sa forte capacité de production industrielle permet à la Chine d'exporter ses industries, ses capacités et ses équipements et de construire et développer un nouveau mode de coopération économique entre les pays en développement. Installées à l'étranger, les industries atouts de la Chine influenceront le monde par leur qualité, changeront le monde par leur réalisation et construiront avec les pays riverains de la ceinture et la route un nouveau cycle économique partagé par tous et profitable à tous. Aux yeux des entreprises transnationales, cette zone industrielle est l'une des zones de développement les plus réussies et les plus attractives de Chine. Avec 3,5% du territoire, 5% de la population et 7% de l'électricité à usage industriel de Suzhou, elle crée 15% de sa valeur globale de production et environ 25% de son volume total d'importation et d'exportation. Ici sont réunies plus de 200 institutions de recherche et développement et 1000 entreprises de haute et nouvelle technologie qui créent plus de 70% de la valeur globale de la production industrielle. Le parc industriel de Suzhou constitue un projet de coopération entre la Chine et Singapour. Il a initié un nouveau modèle de coopération économique et technologique réciproquement avantageuse entre la Chine et les pays étrangers. Depuis la création de la première zone de développement économique et technologique à Dalian en 1988, la Chine a construit au total plus de 200 zones nationales de ce genre dans les banlieues des grandes et moyennes villes relativement peuplées. Sous ce nouveau modèle de gestion et de développement, sont nés beaucoup de nouveaux districts intégrant les industries et les fonctions urbaines, dont le parc industriel de Suzhou et le nouveau district de Binhai de Tianjin. Cette nouvelle voie d'industrialisation pourrait sans aucun doute servir d'exemple pour les autres pays en développement. Mars 2016, la neige enveloppe toute la ville de Minsk. Le
Le vice-premier ministre biélorusse, Kalinin, s'est rendu pour la sixième fois sur le chantier du parc industriel sino-biélorusse. Les visites fréquentes de dirigeants gouvernementaux sur le chantier montrent la grande importance que le gouvernement biélorusse attache au parc industriel. Le président Loukachenko a signé un ordre présidentiel accordant des conditions favorables aux entreprises installées. Par exemple, l'exemption d'impôt pour la première décennie, 50% de réduction pour la deuxième décennie, ainsi qu'un droit d'utilisation des terres pendant 99 ans. Le parc industriel sino-biélorusse se situe à 25 km à l'est de la capitale biélorusse, Minsk. La superficie de ce parc gigantesque dépasse les 90 km², soit un tiers de celle de Minsk. L'aéroport international de Minsk, tout proche, une ligne ferroviaire spéciale, ainsi que la route Berlin-Moscou qui le traverse, donne au parc industriel des atouts de développement. Кроме финансовых средств, это, конечно же, привлечение новых технологий, которыми обладает Китай на сегодня. Это привлечение менеджмента, это привлечение кадров. Только в парке, только на первом этапе будет создано порядка от 10 до 20 тысяч рабочих мест. Это большая цифра, для Беларуси также это важно. À l'instar du parc industriel de Suzhou, le parc industriel sino-biélorusse devrait devenir le nouveau district international de la Biélorussie où se rassemblent les industries haut de gamme. Le 10 mai 2015, le président chinois Xi Jinping, alors en visite en Biélorussie, s'est rendu sur le chantier du parc industriel sino-biélorusse en compagnie du président biélorusse Loukachenko. Il a souligné l'importance de faire du parc un modèle de coopération gagnant-gagnant de la ceinture économique de la route de la soie. Nous выделили в очень удобном месте. Как он сказал, красивее мест я не видел. Большой участок земли для того, чтобы создать здесь основную платформу шелкового пути, экономического пояса шелкового пути в этом великом движении от Китая до Европейского Союза. Поэтому я к этому однозначно положительно отношусь, потому что был причастен и очень серьезно вместе с Си Цзиньпином к созданию вот этой великой экономической дороги. Pendant que la Biélorussie œuvre à la transformation et la rénovation de ses industries, l'Égypte construit aussi son nouveau district industriel par le biais de la coopération. Suez est une petite ville avoisinant le port égyptien de Soukna. Nesma vit ici avec sa famille. Après une heure de bus, Nesma arrive dans la zone économique et commerciale sino-égyptienne de Suez. Nesma travaille dans une usine de vêtements de la zone. Elle touche un salaire de $500 par mois, soit 5 fois plus qu'avant. Elle paie la scolarité de son frère, car elle gagne plus d'argent que les autres membres de la famille. «
La zone économique et commerciale où se trouve l'usine est devenue un nouveau district industriel. Mais Nesma se souvient qu'il y a 6 ans, c'était encore un terrain abandonné. ومبقاش في صينيين بس في المنطقة بقى في مصريين كمان مشتركين في الاستثمار. Grâce aux efforts communs de la Chine et de l'Égypte, 5 parcs industriels ont vu le jour et touchent à des domaines tels que la fabrication d'équipements pétroliers, la fabrication de machines électriques de haute et de basse tension, le textile, les nouveaux matériaux de construction et la fabrication des machines agricoles. Les 58 entreprises installées procurent environ 2000 emplois, dont 90% sont offerts aux Égyptiens. En 2012, le groupe Duche, le plus grand producteur de fibres de verre du monde, s'est installé dans la zone de Suez. La ligne de production de fibres de verre, dont l'investissement atteint les 200 millions de dollars, est la première ligne de production des nouveaux matériaux en Afrique. Chaque année, 90% des 80 000 tonnes des fibres de verre fabriquées sont vendues en Europe, en Turquie et au Moyen-Orient. Jusqu'à présent, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 300 millions de livres égyptiennes et s'est acquittée de plus de 100 millions de livres égyptiennes d'impôts. La zone économique et commerciale de Suez est en train de s'élargir. Selon les plans, la zone étendue attirera 150 autres entreprises, créant 40 000 emplois. Avec leurs technologies avancées et leur expérience en gestion, les entreprises automobiles, chimiques, pharmaceutiques et électroniques installées vont promouvoir la rénovation industrielle de l'Égypte et lui faire engranger une grande quantité d'impôts. توقعي انه النمو في هذه الهيئه هيكون نمو سريع البدايه من خلال 461 كيلو متر مربع في اربع موزعه على اربع مناطق وهو ما يناظر على سبيل المثال ثلثي مساحه سنغافوره انما توقعي باذن الله تعالى انه الهيئه ستنمو على مساحات اكبر في وقت قصير باذن الله تعالى. Le parc de coopération ne se cantonne pas au simple commerce. La coopération entre les pays émergents et les entités économiques en développement s'étend au domaine de l'industrie, de la logistique, de l'investissement, de la finance, voire des échanges humains, favorisant ainsi la nouvelle industrialisation des pays concernés. Selon les statistiques, fin 2015, les entreprises chinoises ont construit à l'étranger 75 parcs économiques et commerciaux, qui ont généré au total une valeur globale de production de plus de 42 milliards de dollars, 1,42 milliard de dollars d'impôts et plus de 150 000 emplois. 大宗商品市场的这种资源价格大跌，但是呢，亚洲国家确实在这个问题上却表现比跟上世纪九十年代相比，他们的表现就很好得多。很大程度上是因为他们的产业也有已经程度的变化，很大程度上是因为他们承接了中国的一些产业，所以呢，在这个时候他们抵抗风险、抵抗外部冲击的能力就要比过去强了很多。 La coopération n'a pas de barrière. Elle est ouverte et profitable à tous. En 2012, sous l'impulsion directe des gouvernements chinois et malaisiens, le parc industriel de Qinzhou, sino-malaisien, et le parc industriel de Kuantan, également sino-malaisien, ont été fondés, établissant ainsi un partenariat vertueux entre le parc industriel et le port. Situé au bord de la mer de Chine méridionale, Qinzhou est le port d'exportation le plus pratique pour le Guangxi, voire l'ensemble du sud-ouest de la Chine. La fabrication d'équipements, l'informatique et les services modernes prédominent dans le parc industriel de Qinzhou.
Ce dernier essaie de devenir un pôle de rassemblement des industries nouvelles et le partenaire du port de Kuantan en Malaisie. Kuantan est la plus grande ville sur la côte est de la Malaisie. Pour l'instant, le parc industriel reste un chantier animé. Une usine sidérurgique moderne sera construite en premier. Il s'agit de la première ligne de production d'acier en hache de l'Asie du Sud-Est. Dans le futur, le parc deviendra un pôle de rassemblement des entreprises manufacturières modernes. Tout près, le port de Kuantan est en train d'être rénové pour devenir un port en eau profonde. S'appuyant sur le port de Kuantan, le parc industriel de Kuantan s'oriente vers les régions littorales de Chine et toute l'Asie du Sud-Est. Il sera une nouvelle plateforme de coopération économique et commerciale entre la Chine et la Malaisie. La Chine et les pays membres de l'ASEAN, dont la Malaisie, ont mené des coopérations vastes, approfondies et fructueuses dans de nombreux domaines, tels que l'industrie, le commerce, la technologie, l'agriculture, la lutte contre les désastres, la réduction des dommages et la protection de la propriété intellectuelle. L'exposition Chine-ASEAN et le sommet du commerce et de l'investissement Chine-ASEAN ont tenu 12 éditions de réunions, constituant une plateforme importante pour approfondir la coopération économique et commerciale, ainsi que les échanges amicaux entre la Chine et l'ASEAN. En 2015, le volume du commerce bilatéral entre la Chine et l'ASEAN a atteint les 472,2 milliards de dollars. La Chine a été le plus grand partenaire commercial de l'ASEAN pendant 7 ans consécutifs et l'ASEAN le troisième plus grand pour la Chine pendant 5 ans consécutifs. L'Iran, connu sous le nom de Perse dans l'Antiquité, est un pays ancien sur la route de la soie. Le 18 mars 2010, dans le désert du sud-ouest de l'Iran, une entreprise internationale d'exploration pétrolière, filiale de Sinopec, a débuté le forage du champ pétrolifère de Yadavaran. À cet endroit, près de la frontière iranienne, se trouvent de riches ressources en pétrole et en gaz. Les réserves connues de pétrole atteignent les 3,2 milliards de barils. Celles de gaz naturel atteignent les 80 milliards de mètres cubes. Pour développer l'économie, l'Iran a démarré l'exploitation du champ de Yadavaran, mais il rencontre de nombreuses difficultés financières et techniques. Les Iraniens espéraient que l'entreprise de pétrole chinoise participerait à ce projet. Comme c'est la première fois que l'entreprise chinoise exploite un champ pétrolifère de niveau international à l'étranger, les négociations commerciales, juridiques et techniques ont été assez longues. À l'issue d'une centaine de négociations ardues pendant 4 ans et demi, la Chine et l'Iran se sont enfin mis d'accord et ont signé le contrat. Jours après le premier coup de forage, le champ de Yadavaran a produit son premier baril de pétrole. Ce projet constitue une étape historique pour l'exploitation coopérative des gros champs pétrolifères par les entreprises de pétrole chinoises à l'étranger. Outre la coopération dans le domaine de l'énergie, les entreprises chinoises construisent aussi des projets de bien-être social dans les pays riverains de la ceinture et la route. Zamin Oud, petite ville sur la frontière sino-mongolienne, n'est qu'à 4,5 km d'Eren Hot, en Mongolie intérieure. Dans cette ville, dont les habitants réguliers sont de moins de 10 000,
L'entreprise chinoise mène en ce moment un projet de rénovation des infrastructures. Depuis longtemps, les habitants locaux boivent une eau amère des puits et en hiver se réchauffent avec leur petite chaudière familiale.最开始来的时候，咱们都没有统一的这个市政工程建设，每到冬天之后，因为没有集中供暖，煤炭烧的小锅炉，整个街道上弥漫了一股呛人的这个烟味。现场环境特别恶劣，那个四周都是黄沙一片，没有生活用水，没有生活用电。每次站在这个工棚里，看着对面二连浩特灯火璀璨。 À Zaminhoud, le projet de rénovation urbaine exécuté par l'entreprise chinoise va apporter de l'eau courante propre et des tuyaux de chauffage dans tous les foyers. Je me souviens d'une fois, c'est que nous allons tous dans le magasin pour acheter des choses. 然后他那个服务员就问我们，说你们净水厂什么时候才能完工啊？然后我们什么时候才能喝到你们这个产出来的自来水呢？他自己是刚生了一个宝宝，宝宝刚刚出生，然后他不希望宝宝今后再继续去喝这种苦咸水。所以当时我听完之后就觉得，心里反正挺不是滋味的，然后觉得一种无形的这种责任感特别的重。 Le nouvel an chinois approche. La température est tombée en dessous des moins 20 degrés. Zaminhoud traverse son moment le plus froid de l'année. Les employés chinois restant au camp du projet vont dîner ensemble. Ils vont passer le nouvel an chinois à cet endroit situé à seulement quelques kilomètres de leur patrie. Les travaux doivent avancer rapidement. Mettre en service au plus vite les réseaux d'eau courante et le système de chauffage est leur objectif primordial. Alors que l'eau potable propre est prête à couler dans chaque foyer, les peuples riverains de la ceinture et la route attendent aussi des énergies propres. En août 2015, la première coulée de béton pour le réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Karachi marque la première implantation à l'étranger de la technologie nucléaire autonome de Chine, Hualong 1. Avec son réacteur à eau pressurisée de 1000 MW, le Hualong 1 synthétise les fruits et expériences de construction de centrales nucléaires de la Chine depuis 30 ans. Sa conception sur le plan sécuritaire est plus complète et équilibrée. En 2000 et en 2011, la Chine a construit deux réacteurs pour la centrale nucléaire de Chashma au Pakistan. Le premier réacteur fonctionne sans problème depuis 16 ans. L'Agence internationale de l'énergie atomique l'a classé comme l'un des réacteurs au meilleur fonctionnement dans le monde. À l'instar de l'électricité nucléaire, une autre énergie propre est aussi entrée dans la vie des Pakistanais. Dans le vaste désert de Jimpir au Pakistan, les plantes sont très rares. Or, la région possède une ressource abondante, le vent. L'ingénieur Zaïd et ses collègues chinois vont commencer un travail spécial. Ils vont grimper sur le point le plus haut du désert, le sommet de l'éolienne de 80 mètres.
ces éoliennes géantes font partie du premier projet coopératif sino-pakistanais dans le domaine de l'énergie éolienne. Le projet a été financé et construit par le groupe Trois Gorges et a été mis en service en 2014. Développer les énergies propres peut atténuer la pénurie d'électricité du Pakistan et réduire sa dépendance en pétrole et en gaz. Comme les éoliennes font tout le temps face au vent, des grains de sable s'accumulent au niveau des jointures de leur système de mesure du vent. Zaïd et ses collègues doivent les nettoyer. À 80 mètres de haut, le vent est beaucoup plus violent qu'au sol. Mais Zaïd se sent très fier. My hometown is 70 km away in this direction. So this electric power is supplied to my hometown as well. So here I am working in wind farm and as well as for my hometown. Partager la lumière et les énergies propres est l'aspiration commune de l'humanité. Par ses avantages technologiques, la Chine est en train de promouvoir l'exploitation de nouvelles énergies vertes et économiques. Nous allons faire un pays de l'île de l'île de l'île de l'île de l'île. Donc, nous allons faire un pays de l'île de l'île de l'île. Ces projets ont mis fin à la pénurie d'énergie des pays et régions concernées en leur apportant la lumière, l'énergie, la confiance ainsi que l'écologie et l'espoir. Dans le monde entier, les Chinois et les entreprises chinoises, par leurs efforts effectifs et leur coopération sincère, construisent un avenir désiré par toute l'humanité. Ces dessins colorés ont été faits par des enfants des pays riverains, de la ceinture et la route. À travers leur imagination enfantine, ils montrent un monde en changement, ainsi que leurs aspirations et leurs rêves pour l'avenir.